Pour moi, c'est égalité. L'égalité. Bah oui. Si je vais au travail à 8h, il va au travail à 8h. Je rentre à 17h, il rentre à 17h. Gros. Le jour qu'on va se séparer et tout, j'aimerais bien, je vais récupérer ce que j'ai payé. Comme ça, lui aussi, il va prendre ce qu'il a payé, quoi. Si j'ai pas les moyens, bah bon, je vais dire, poteau, j'ai pas les moyens, quoi. Mais bon. Voilà, quoi. Regardez ce qui va se passer. Tu es pour ou contre 50-50 dans un couple? 50-50, tu veux dire niveau. En gros, c'est. Dépenses. Ouais, je suis pour, ouais. Ce qui est complètement normal. Pourquoi? Parce que déjà, la liberté de la femme, c'est important. Je suis un homme, ça a été souvent comme ça pendant certaines années où les hommes prenaient le pouvoir. Mais pour moi, c'est important que la femme ait aussi le droit de faire ces choses-là. Quand j'ai dit 50-50, en fait, au niveau des dépenses, tu vois, loyer, au niveau des dépenses, tout, ouais. Ouais, c'est 50-50 aussi. Bah, ouais. Il ne devrait pas y avoir plus. Okay, c'est comme ça. Et toi? Bah pareil. Hein. Pareil? Bah ouais. Oh, mais il y a certaines filles qui disent non, c'est à l'homme de payer tout, nous les femmes. Non, moi je refuse. Ah ouais? Non, pour moi c'est égalité. C'est l'égalité? Bah oui. Tu es pour ou contre 50-50 dans un couple? Moi je suis pour. Ah ouais, pourquoi pour? Moi je me dis, si on travaille tous les deux, si on est dehors, on apporte la même chose. Je vois pas pourquoi il y aurait des différences. Enfin, en fait, ça dépend de comment on vit. Si je décide par exemple de pas travailler ou quoi que ce soit, bah forcément il y a un petit peu de différence. Mais si je vais au travail à 8h, il va au travail à 8h. Je rentre à 17h, il rentre à 17h. Gros, on va s'arranger. Hein. Dites-moi les filles, vous êtes pour ou contre 50-50 dans un couple? Bah pour, ouais. Bah ouais, pourquoi? Bah parce que c'est équitable, il n'y a pas quelqu'un qui doit tout payer, enfin je sais pas. Ah ouais? Ouais. Okay. Et toi? Pareil. Pareil? Ouais, c'est équitable, tout le monde paye, enfin c'est normal. Ok, et toi? Pareil. Ah, vous aviez les mêmes avis? Ouais, ouais bah c'est mieux en plus. Ok, d'accord. Mais certaines filles disent que non, c'est à nous de payer tout parce que nous on est des hommes, on gagne plus que vous. Qu'est-ce que vous... Non, mais c'est pas moi qui a dit, c'est oui. certaines filles qui ont dit ça. D'accord. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez sur ça? Après, chacun pense ce qu'il veut, hein, mais moi, c'est pas mon avis. Ah ouais? Ouais. Okay, bah, comme il y a certaines filles qui disent non, c'est l'homme qui doit payer, c'est lui l'homme, qu'est-ce que tu en penses à ça? Encore une fois, si tu décides que c'est l'homme qui doit payer, dans ce cas, il faut qu'il y ait un juste milieu. Il faut que tu apportes, en tout cas, tu trouves quoi apporter de ton côté, que... Enfin, faut qu'il y ait une raison. Ouais. Je veux dire, c'est pas juste comme ça, j'arrive et je dis tu payes tout, mais moi je dors toute la journée, nanani. Non, vous trouvez un juste milieu. Et si l'homme est d'accord, tant mieux pour toi. S'il n'est pas d'accord, ah bah parlez. Hein. En fait, par exemple, même si tu dis non, bébé, reste tranquille, j'ai payé tout, tu vas pas accepter. Non, je t'engueule. C'est vrai, elle m'engueule. Hein. Ah ouais? Elle m'engueule. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez un petit message aux certaines filles qui, voilà, qui se laissent. Voilà, qui se dit non, c'est à l'homme de payer tout. Ça sert à rien de profiter. Ah ouais, donc c'est des profitables ça. Bah un peu en vrai, parce que ouais on dit souvent ouais c'est à l'homme de chouchouter et tout, mais l'homme aussi il a le droit d'être chouchouté. Et toi? Ouais pareil qu'elle. Hein. Pareil qu'elle? Franchement ouais pareil. Okay. Vous êtes pour ou contre moitié ou moitié dans un couple? Moitié moitié dans un couple? Ouais 50-50 quoi. Ah bah oui pourquoi pas, ça dépend. Si moi je peux donner de mon côté la personne ici et inversement. Ah ouais? Oui. Ok, d'accord. Et toi? Pareil, hein. Pareil? Oui. Et toi? En gros, en soi, bah, du moment où moi je travaille et que lui aussi travaille, ok. Mais si je travaille pas, bah, s'il fait tout, bah, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si la maison, c'est que lui qui s'occupe de la maison et tout. Bah, alors que si moi aussi je participe, je contribue à un truc, bah, on serait gagnant-gagnant, tu vois. Ouais, parce que c'est vous deux comme ça. Et le jour, par exemple, le jour qu'on va se séparer et tout, j'aimerais bien, je vais récupérer ce que j'ai payé. Comme ça, lui aussi, il va prendre ce qu'il a payé, quoi. Ok, c'est d'accord. Un peu ça. Parce qu'il y a certaines filles qui disent, ouais, c'est à l'homme de payer tout. Qu'est-ce que vous en pensez sur ça? Bah, après, c'est leur vision, hein. Ah ouais. Chacun a sa vision dans chaque domaine, que ce soit, je sais pas, à l'école, dans la religion, tout ça. Mais moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses forcément. Mais... Okay. Bah, ça dépend un peu qui gagne le plus, parce que s'il y en a un qui gagne vachement plus que l'autre, c'est un peu compliqué. Ah si ouais. Il peut pas trop payer, quoi. Enfin, ça va être un peu compliqué si l'autre il peut pas payer alors que l'autre il gagne beaucoup plus. Par exemple, si ton mec gagne 5000 euros, toi tu gagnes 2000 balles, donc est-ce que tu penses que ça peut être moitié-moitié? Bah, en soi, oui, mais après, si j'ai pas les moyens, bah bon, je vais dire, poteau, j'ai pas les moyens, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Ok, d'accord. Et toi? Moi, je me dis, c'est pas forcément 50-50, mais je pense quand même que le mari doit payer un peu plus. Ah, pourquoi? C'est quand même l'homme. Tu fais partie de ces heures de meuf qui dit. Voilà, non, c'est mieux, je te rends. Non, mais attends,
c'est pas 50-50, c'est quand même l'homme, c'est... Non, mais tout le temps, vous pleurez, l'égalité homme-femme, mais quand on dit... Égalité homme-femme ? Ouais, mais quand on dit 50-50, ça vous fait mal. Mais quand on dit égalité homme-femme, vous acceptez pas l'égalité non, homme-femme ? Non, si, nous on accepte. Non, il y a des gens, ils acceptent pas. Bah, du coup, si vous acceptez pas, mm-hmm. bah, c'est que vous devez payer plus, c'est comme ça. Hein. Ok, d'accord. Bah, c'est juste ça les questions. Okay. Je vous remercie, passez un bon week-end. Bah, merci à vous aussi. De rien.